Alors ce soir, Valenciennes a assuré son maintien, mais a fait mal au Paris Saint-Germain. Oui, et c'était important, Antoine, pour vous de l'emporter face au Paris Saint-Germain. On sait que vous êtes en négociation, que les choses, des discussions ont commencé avec le PSG. C'était important pour vous de vous imposer ce soir? Très important, comme je l'ai dit, pour ne rien devoir à personne. Et puis surtout, au-delà donc, des points de maintien qu'on vient chercher ce soir avec la victoire contre le PSG, c'était surtout aussi donc, essayer de grappiller des points, grappiller donc, des places au classement. Donc, je suis un entraîneur comblé, un entraîneur heureux parce que les garçons ont fait le boulot ce soir. Alors un entraîneur possible en partance, on va le voir dans quelques instants, on va y revenir. En tout cas, une image qui semble être un passage de témoin en début de rencontre avec Paul Le Guen. Qu'est-ce qu'il vous a dit, Paul, juste avant ce match? Simplement que bonne chance. Et puis après, ce qui s'est dit entre nous, ça nous regarde. Voilà, c'est l'amitié, le respect, tout simplement. D'accord. En tout cas, Ningesser avait envie de vous crier tout son amour, vous remercier pour tout ce que vous avez fait depuis votre arrivée ici à Valenciennes. C'est le Paris Saint-Germain qui a attaqué le mieux cette partie avec une première occasion de Louis Ndoula. Réponse de Gaël Danick avec cette frappe qui effleure le montant de Michael Andro. C'est pas franchement l'entame que vous aviez imaginé, en tout cas pour Valenciennes. De toute façon, on savait que cette équipe du PSG était venue donc non seulement réconfortée par donc, sa place de quatrième, mais aussi jouer le coup donc, pour la Ligue des Champions. Donc on s'attendait à jouer un match difficile face à un adversaire de qualité, puis des joueurs donc, de grande qualité aussi. Et à la 7e minute, ouverture du score signé Matéa Kezman, son 3e but en Ligue 1, son 2e but surtout en 3 matchs, mais vous le voyez au départ de cette action, Ludovic Joly qui reçoit le ballon de Stéphane Sessegnon était en position de hors-jeu. Le but est tout de même validé, 1-0 pour le Paris Saint-Germain qui dans l'ensemble domine cette première période. Le Paris Saint-Germain qui a les meilleures occasions, les réponses quand même des Valenciennois qui réagissent par de belles contre-attaques de temps en temps, avec ici une frappe de Rudy Mater qui oblige Michael Landreau à se détendre pour dévier la balle en corner. Vous avez été bougé par cette équipe du PSG et physiquement notamment, elle était bien en place en première mi-temps. Là, c'est bien parce que c'est surtout une belle réponse pour ceux qui doutaient donc du match que l'on allait faire. On savait donc voilà, que cette équipe du PSG était redoutable. Hein, le dernier déplacement, c'était donc une victoire au Mans. Et puis en plus, nous, on ne s'est pas facilité la tâche parce que quand le PSG mène, ils sont très bons donc, en sélection de contre. Et on l'a vu, hein, ils n'ont pas grand-chose pour qu'ils aggravent le score. Et là, ça aurait été très compliqué pour nous. Une position de hors-jeu de Ludovic Joly. Et puis là, une sortie de Nicolas Pento dans les pieds de Peggy Louis Ndoula. Nicolas Pento qui emmène tout sur son passage. Il y avait pénalty sur cette action. C'est le tournant du match. Là, il y a pénalty. Bien sûr, et si l'arbitre siffle comme c'est le cas là, avec un score de 2-0 contre nous, je pense qu'on revoit plus l'équipe du PSG. Alors PSG reste à 1-0, on est à la mi-temps, vous avez bougé vos joueurs à la pause, vous n'étiez pas content de cette première période? Non, pas complètement, parce que je trouvais qu'on avait fait quand même une bonne première mi-temps, même si on a été en difficulté sur les décrochages de Kezman et de Louis Ndoula. Mais c'est vrai que voilà, on a surtout penser à calmer les joueurs et puis surtout donc d'insister sur le jeu parce que je savais que physiquement on pouvait reprendre le dessus sur cette équipe et surtout mentalement. L'égalisation alors de jeu pour Johan Odell sur un coup franc de Gaël Danick. Johan Odell qui mitraille tout en fin de saison, c'est son 6e but de la saison, 7e but même de la saison en Ligue 1 pour Johan Odell. Et puis en deuxième période, un tout autre visage de Valenciennes qui va doubler la mise grâce à Grégory Pujol et puis l'aide involontaire de Michael Landreau qui voit le ballon lui échapper des mains. Oui, c'est un but, on va dire, fort logiquement marqué, mais grâce à l'abnégation, le courage, mais surtout la qualité, parce que là, l'enchaînement est superbe entre donc Odell et Pujol, et à l'arrivée, donc c'est un beau but, même s'il y a une petite faute de main de Landreau. Et puis je disais, autre visage de Valenciennes, vous avez été plus conquérant sous les yeux du président Francis Decourrière, vous avez été plus conquérant et puis on a vu une équipe du Paris Saint-Germain avec un visage totalement différent, même si là il y aura une occasion pour Stéphane Sessegnon qui va quitter le terrain. C'était son dernier match ce soir pour le Paris Saint-Germain cette saison, il est suspendu le week-end prochain pour la réception de Monaco. Les dernières occasions, les dernières actions de jeu pour le Paris Saint-Germain, mais ça reste quand même très timide. Ici c'est Ducourtiou qui a failli marquer contre son camp et derrière aucun Parisien qui ne parvient à pousser le ballon au fond des filets de Nicolas Pento, ne serait-ce que pour arracher le point du match nul ici à Ningesser. La victoire donc pour votre équipe de Valenciennes et puis des moments d'émotion, c'était fort ce qui s'est passé ici, le président Decourrière qui est venu vous chercher pour saluer la foule de Ningesser. Oui, ma grande surprise, je ne m'attendais pas à cette fin. Surtout, comme je le dis, rien n'est fait encore donc, avec le PSG. Mais en tout cas, c'était surtout pour remercier le public parce que grâce à eux, on est allé chercher les points du maintien. Et surtout, voilà, pour anticiper si demain il y a un départ,
leur exprimer toute ma gratitude et puis surtout leur dire que c'est le football, mais je reviendrai à Valenciennes de toute façon. Un petit mot de Paul Le Guen tout à l'heure en conférence de presse. Il y a quelques semaines, nous disait Paul Le Guen, le Paris Saint-Germain aurait sans doute gagné ce match. Écoutez-le. Je pense qu'il y a un mois, on aurait gagné ce match. Je pense qu'on aurait gagné parce que avec ce qu'on a fait en première mi-temps, avec les occasions obtenues, avec la maîtrise affichée parfois, on avait les arguments pour gagner. Je pense qu'on l'aurait gagné. Je pense que je vous aurais dit après le match qu'on avait peu de marge, mais qu'on l'avait gagné quand même. Et cette marge a disparu compte tenu de la fragilité de l'équipe aujourd'hui, compte tenu de la situation différente. Antoine, un dernier mot. Vous nous avez dit avec le Paris Saint-Germain, rien n'est fait. Vous en êtes où concrètement? Et est-ce qu'il y a un calendrier? Est-ce que vous devez vous revoir avec les dirigeants du Paris Saint-Germain? De toute façon, ce qui est important, c'est que le PSG a montré qu'il voulait à tout prix m'avoir. Et moi, aujourd'hui, en tout cas, j'ai envie d'aller au PSG. Maintenant, il y a eu des discussions qui ont été entamées. Et puis, j'espère que cette semaine, on va finaliser. Mais je ne sais pas quand, parce que j'attends un coup de fil des dirigeants pour trouver la bonne date. Sachant que les deux parties sont d'accord pour, en tout cas, faire un petit bout de chemin ensemble. Votre téléphone est allumé. Le président Bazin peut vous appeler maintenant. Ça y est, maintenant, je suis à l'écoute. D'accord. Une dernière info concernant le Paris Saint-Germain. Vous savez que Patrick Vieira a déclaré son intérêt pour le Paris Saint-Germain ces derniers jours en disant que rien n'était impossible entre le Paris Saint-Germain et Patrick Vieira. Eh bien, c'est d'autant moins impossible que le Paris Saint-Germain est très intéressé par la venue de Patrick Vieira. Pas de contact clairement et officiellement établi pour le moment, mais on peut imaginer qu'un rapprochement va s'opérer dans les jours à venir.